plan 1, deuxième prise. Bonjour et bienvenue dans notre première émission, Mission des Blaireautins. Tout au long de l'émission, vous allez découvrir des sujets d'actualité sur l'environnement, des sujets qui nous tiennent à cœur, des coups de gueule, des coups de cœur, un débat sur la biodiversité entre plusieurs acteurs. Nous allons vous parler de sujets sur l'environnement qui vont peut-être vous sensibiliser. Nous présentons les journalistes du mois, Clémence. Commençons notre émission par un reportage réalisé par un groupe de jeunes naturalistes. Ils vont nous faire découvrir le travail d'un ichnologue. Oui, en effet. L'ichnologie est la science des traces. Nous pouvons découvrir les animaux présents dans notre forêt grâce aux empreintes qu'ils laissent derrière eux. Regardez. Pourquoi l'empreinte du cerf est-elle plus profonde que celle de la biche? Parce que le cerf est plus lourd que la biche, on peut le voir sur ses deux empreintes. Ça c'est celle de la biche et ça c'est celle du cerf. Alors, pourquoi le cerf a-t-il les doigts écartés? C'est-à-dire que le cerf, soit il a eu peur, soit il était chassé et il s'est mis à courir. La trace du cerf, elle fait environ 7 cm et la trace de la biche, elle fait 6 cm, un peu plus petit. Comment différencie-t-on les pattes avant des ratons laveurs de leurs pattes arrière? Les pattes avant des ratons laveurs sont plus petites, plus courtes et les doigts sont moins longs aussi. Elles sont plus larges aussi. Comment les ratons laveurs font-ils pour fuir? Donc les ratons laveurs, pour fuir, ils courent suivant la gravité de la menace. Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Ce sont des empreintes de martre et de fouine. Pouvez-vous nous dire comment les différencier? On ne les retrouve pas aux mêmes endroits. Les empreintes de martre sont dans la forêt et celles de fouine plutôt aux abords des villes. La martre a des poils en dessous de ses pattes, tandis que la fouine n'en a pas. La fouine, elle a 5 coussinets. Il y en a un ici, et la martre aussi, un ici, 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 ici. Il y a aussi 5 petites griffes, là. Il y a la pelote, qui est rarement remarquée. Quelles sont les caractéristiques des empreintes de sanglier? Alors, le sanglier a 4 doigts. Donc là, on voit les pinces. Et là, il y a les gardes. On peut les confondre avec les traces de cerf qui sont parce qu'ils se ressemblent au niveau des pinces. Action. Dis donc, qu'est-ce que vous avez trouvé comme empreinte? Donc c'est des empreintes de blaireau. Alors Eva, elle va vous expliquer. D'accord. Présentez-nous la patte. Alors voilà la paume, les 5 doigts et les griffes. D'accord. Que fait le blaireau quand il est effrayé? Donc le blaireau, quand il est effrayé, il peut attaquer son congénère ou courir dans des endroits où les prédateurs peuvent l'attraper. Donc c'est à ces moments-là où, quand il court, il peut se faire écraser et le blaireau peut aller jusqu'à 30 km/h. D'accord. Quelle est la largeur de la patte? La largeur de la patte est de 4,5 cm à 6,5 cm. Action! Elles sont belles, vos empreintes. C'est des empreintes de quoi? De renard, d'eau. Et de renard. Elles ressemblent beaucoup à celles du chien. Comment on fait pour les différencier? On prend une règle, on la met entre les deux premiers doigts. Et si ça coupe les doigts de devant, c'est celle du chien. Et si ça coupe pas, c'est celle du renard. Nous avons l'honneur d'accueillir nos chroniqueurs du jour avec un sacré coup de gueule. Voici Nazim. Noémie et Thomas. Quel est votre coup de gueule? Notre coup de gueule, c'est la découverte de 10 éléphants au parc de Zimbabwe en octobre, ce qui porte à 100 la semaine de cette découverte le nombre d'éléphants tués au cyanure. Comment cela a pu se produire? Il y a trop peu de patrouilles dans ces parcs. Il faudrait augmenter le nombre de patrouilles et aussi
Il y a beaucoup de réseaux de braconnage. Et les habitants ont des... mais pas pour l'ivoire, donc ce qu'ils voulaient. D'accord. Mais surtout pour la pauvreté. Ils sont pauvres, c'est pas par cupidité qu'ils le font, mais à cause de la pauvreté. En fait, c'est surtout ceux qui le revendent qui sont vraiment cupides. Mais qu'ont-ils fait avec les vins, même si vous dites que c'est pour la pauvreté qu'ils ont fait ça? Ils l'ont revendu, ils ont gagné beaucoup d'argent, ça peut gagner des millions et des milliards, même plus, au marché noir ou ce genre de choses. Voici un okapi sorti cette semaine qui parle des éléphants, de leur massacre. Il est à conseiller. Mais est-ce que les coupables ont été punis ou est-ce qu'on les a retrouvés ou... On en a retrouvé 4. Ils ont été jugés et ont reçu 15 ans de prison et une amende de 440 000 dollars. Mais non, mais qui permet ça? De tuer les éléphants. Personne ne permet de tuer les éléphants. Et donc ils sont hors la loi. Oui, on peut dire. Mais c'est des criminels en fait, on va dire. Et l'amende n'était pas de 440 000, mais de 600 000 dollars. Et ce qui équivaut à 440 000 euros. D'accord, merci. Merci. Pour notre première émission, nous allons aborder le thème des nuisibles. Mais que veut dire nuisible? Comment peut-on justifier d'appeler les animaux nuisibles? Êtes-vous d'accord avec cette nomination et cette classification? Pour débattre de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir un agriculteur, Mathias. Un chasseur, Thibaut. Une scientifique renommée, Clarisse. Une naturaliste de terrain chevronnée, Louise. Et deux nouvelles journalistes, Anaëlle et Justine. Quels animaux sont classés nuisibles? On retrouve 12 mammifères, dont la belette, le lapin de Garenne, la marthe, le putois, le renard et le sanglier. Il faut ajouter 6 espèces d'oiseaux. Le corbeau freux, la corneille noire, les tourneaux sans sonner, j'ai des chênes, qui bavardent et pigeons ramiers. Qui choisit de les classer comme nuisibles? C'est l'État qui peut choisir de les classer nuisibles suite aux plaintes reçues par les agriculteurs. Moi je me plains parce qu'ils détruisent mes récoltes. C'est pas ma faute, c'est la faute du chasseur. Ils tuent les prédateurs, les animaux qui défendent mes récoltes. Parce que les renards, ils mangent les rongeurs. Oui, c'est vrai, mais c'est mon loisir, donc... je choisis pas, je tue. Alors c'est un loisir de chasser? Oui. Je trouve ça bizarre. Bah, mon loisir, c'est pas chasser. Hein. Et comment les éliminez-vous? C'est nuisible? Je les élimine déjà, j'utilise le fusil, j'installe des pièges. C'est pas interdit par la loi? Si, mais je m'en fiche. Bon, ça c'est courageux. Mais vous faites donc de la chasse illégale? Oui. Du braconnage. Mais pourquoi les tuez-vous? Il y en a tant que ça, c'est... Oui, il y en a tant que ça. Après, s'ils se reproduisent trop, ils peuvent passer des maladies aux animaux. C'est des êtres vivants, ils ont le droit de vivre. Non, et ils ne sont pas forcément tous malades. Et vous parlez de maladies, lesquelles? La rage en général. Ah, la rage, il n'y en a plus en France. Bonjour. Si, si. Et vous, qu'en pensez-vous? Y a-t-il toujours la rage de nos jours? Pas spécialement, et en général, elle a disparu. Que pensez-vous de ce concept de nuisible? Un animal ne peut pas être classé nuisible, ils ont tous leur utilité. Sans chacun d'eux, il y a un truc qui fonctionnerait. Mais d'ailleurs, j'ai entendu que vous, les agriculteurs, vous ne faisiez pas que déposer des plantes, vous mettrez un produit, la bromadiolone. Bah oui, je la mets parce que c'est pour me défendre des animaux qui se creusent ma récolte. Mais après, c'est de sa faute. Mais donc, après, c'est pas entièrement ma faute. Si, c'est de la vôtre. Vous tuez les renards mangent les rongeurs. Mais après, aussi les rongeurs.
que je les tue parce qu'il n'y a pas assez de renards. Mais après, les renards et les autres animaux peuvent venir manger avant ma Madiolane. Et alors que ça n'aurait pas des signes qui meurent. Ça, je ne savais pas. Ça atteint toute une chaîne. Bah, je ne savais pas. Une chaîne alimentaire. Je ne suis pas le seul responsable dans cette histoire. Ça atteint aussi les mille envoyaux, les chats, les renards et les buses. Je ne savais pas. Ils vont pas tout marquer sur le produit, hein. Il y a pas assez de place. Hein. C'est à vous de faire attention, franchement. Et d'ailleurs, un jour, pendant que je me baladais en forêt, j'ai trouvé ça. Ce qui est le cas, vous connaîtrez ce que c'est ? Oui, c'est la chloropigrine. Je mets ça dans les terriers. Qu'est-ce que c'est ? Ça sert à déterrer des animaux qui sont dans leur terrier. Non, ça sert à gazer normalement. Oui, à les gazer. Ah bah je vois que vous y connaissez aussi. Alors ça, vous utilisez aussi. Donc le chasseur n'est pas le seul coupable. Mais c'est vraiment un inspecteur. C'était quand les animaux avaient la rage, ça, pour les tuer. Maintenant, c'est interdit. Si vous êtes d'accord avec cette classification, si au contraire vous êtes contre, réfléchissez-y. Voilà comment se conclut ce débat. Maintenant, c'est à vous d'agir. Nous vous présentons le nouveau chroniqueur, Margot. Tom. Chloé. Et le nouveau journaliste, Mathias. Et Gwendoline. Nous allons parler du coup de cœur de Tom sur une niche à chauve-souris. Y a-t-il des chauves-souris en ville ? Oui, certaines espèces de chauves-souris peuvent vivre aussi bien en état naturel aussi bien en ville que dans la forêt, comme les petits et les grands rhinolophes, les noctules et les pipistrelles. Pourquoi faire des nichoirs pour les chauves-souris ? Pour les abriter. Alors que les arbres où elles habitent, les vieux arbres morts sont coupés dans la ville, donc pour les abriter, pour qu'elles puissent manger certains insectes, comme les moustiques ou les mouches. Qu'est-ce qui peut les faire mourir ? Aujourd'hui, les principales causes de mortalité sont les habitants qui en ont peur, et comme là on peut le voir, donc les habitants qui en ont peur, donc ils bouchent tous les accès dans les toits parce qu'ils pensent que c'est sale, etc. Après, il y a aussi les villes qui coupent les arbres, donc leurs habitats. Et puis également la pollution dans les villes. Voilà. Quelles villes sont concernées ? Pour l'instant, ce sont les villes de Troyes et de Niort. Et je voulais rajouter qu'à Strasbourg, les responsables de la ville ont décidé d'abattre de vieux platanes, même celui qui avait une colonie de 500 noctules. Ceci, enfin, pour moi, est inadmissible. Je voulais montrer une photo des nichoirs. J'espère que beaucoup de villes, notamment Compiègne, prendront exemple sur cette action positive. Et c'est avec ce beaucoup de cœur que nous terminons cette émission. Merci d'avoir regardé et préparez-vous pour une autre émission ce mois prochain. Ouais. J'ai fait un rêve, celui que tous les animaux vivent en paix avec l'homme. Mais pouvons-nous faire de ce rêve la réalité ? Oui, nous le pouvons. Si vous avez aimé cette émission, si vous avez été touché ou blessé de la violence des humains, réagissez pour les animaux, repoussez les braconniers et protégez les animaux. Pourquoi s'acharner sur les animaux ? Pourquoi ne pas les protéger ? Pourquoi tant de haine ? Ils sont si beaux. Pourquoi leur faire autant de mal ? Aidez-nous à les protéger.